Bonjour les artistes, c'est David. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de génial avec vous. C'est que je viens de passer une heure trente d'entretien privé avec une artiste que je suis et que je suis en train d'aider à réaliser son objectif principal, qui est d'exposer dans une galerie, en tout cas une galerie qui l'a fait rêver et dans laquelle elle a vraiment envie d'exposer son travail. Et je voulais simplement vous faire part de comme je me sens bien juste après ce genre d'entretien privé, parce que je sens vraiment que c'est clair que ça aide énormément l'artiste pendant l'entretien, et on dénoue beaucoup de choses ensemble. On s'occupe d'éradiquer les fausses croyances. Souvent quand on est artiste, on pense que tout simplement on ne mérite pas, si c'est pour exposer, si notre rêve c'est d'exposer dans une galerie, souvent on pense qu'on ne mérite pas d'exposer dans cette galerie là ou là dans son cas aujourd'hui, elle avait cette croyance que puisqu'elle est autodidacte et qu'elle n'a jamais fait d'école d'art, ce serait difficile pour elle d'être juste vue comme vraiment une artiste. Et en fait, pendant ces entretiens privés, donc, on s'occupe de ça, d'éradiquer ces fausses croyances-là. Et en fait, ça va très très vite. Donc pour ça, il y a des questions bien évidemment qu'il faut se poser. Il y a des petits exercices qu'on met en place très rapidement et qui permettent de voir que tout ça c'est juste pas vrai, et c'est juste des choses qu'on se raconte pour ne pas franchir l'étape d'après, et qui va nous amener d'étape en étape, de marche en marche comme ça à atteindre notre objectif. Donc là, dans le cas de cet artiste que je suis qui est d'exposer dans une galerie. Et voilà, en fait je me sens super bien. Vous voyez que j'ai mis mes lunettes à verre rose, alors voilà, j'ai décidé de voir la vie en rose pendant quelques heures aujourd'hui. En plus il fait un temps magnifique, je suis dans un endroit aussi magnifique que je partage avec vous aujourd'hui. Et voilà, mon idée c'était de vous communiquer toute la force et toute la joie que j'obtiens après chaque rendez-vous, après chaque entretien privé que j'ai avec les artistes. J'aime plus que tout vous aider et vous transcender, enfin vous aider à vous transcender, puisque moi je suis juste le moyen dans tout ça, mais j'ai aucun pouvoir magique, j'ai aucune prétention à faire de vous ce que vous n'êtes pas. L'idée c'est vraiment pendant ces entretiens de vous révéler vous-même et d'utiliser votre propre force. Moi je suis juste là pour apporter une cohérence dans tout ça et peut-être apporter plus de clarté dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez réaliser. Mais en tout cas, les clés, vous les avez vous. C'est clair que je suis pas un gourou, je suis pas en position de force par rapport à vous. Je vois vraiment ces entretiens comme un échange. Moi, j'apprends beaucoup pendant ces entretiens-là. Aussi j'apprends humainement, j'apprends aussi professionnellement, et je crois que c'est vraiment un échange c'est vraiment un enrichissement même lors de ces échanges là et voilà, en fait je voulais simplement vous communiquer cette bonne humeur, cette joie, cet amour de ce que je fais, et vous dire que voilà, si toutefois vous avez besoin d'être aidé, et je sais que bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, puisque je suis aussi artiste et donc je sais de quoi je parle, on a besoin d'être aidé, on a besoin de structurer les choses avec des professionnels qui savent faire. Et voilà, donc je vous invite à, première chose déjà aujourd'hui, c'est à sourire à cette super journée. Deuxième chose, c'est à croire en vous, parce que franchement, malgré tout ce que vous pouvez entendre dans votre tête qui tourne en boucle, vous méritez d'accéder à ce qui vous fait rêver, que ça soit exposé dans une galerie,
ça soit vendre plus d'œuvres, que ça soit être super connu, développer votre notoriété d'artiste, que ça soit tout simplement peut-être réaliser vos œuvres chez vous tranquille et que quelqu'un d'autre s'occupe de la vente de vos œuvres. Tout ça, vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Seulement, peut-être des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce et on a besoin d'organiser tout ça dans notre tête et dans notre vie. Voilà. Et la quatrième chose que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Moi, je réponds régulièrement à des emails d'artistes qui me sollicitent. Et ça peut déboucher ou pas sur un entretien privé. Ça, c'est en fonction de vos préférences. Voilà. Donc, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite. Salut.